Prenons place, frères et sœurs, pour entendre les trois premiers versets du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Dans cette Épître aux Hébreux, voici ce que le rédacteur nous dit au sujet de la foi. Trois versets pour nous ce matin. Or, la foi est le fondement des espérances, la preuve des actions qu'on ne voit pas. En elle, les anciens ont reçu un témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui ne se voit pas n'est pas advenu. Non, je reprends. De sorte que ce qui se voit justement n'est pas advenu des choses qui paraissent. Je reprends le verset. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'est pas advenu des choses qui paraissent. Et avant d'entreprendre une traversée de ces trois versets, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 256. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Éternel, nous te remercions de nous réunir en ta présence pour nous révéler ton amour, nous conduire à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole à travers ces mots que nous avons entendus. Non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir. Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre par ton esprit nos esprits et notre cœur à ta vérité.
Chers frères et sœurs, qu'avons-nous en commun, nous qui sommes ici ce matin ? Avant cette assemblée générale avant laquelle nous avons été convoqués, y a-t-il moyen pour nous de nous dire que nous formons effectivement une communauté autre que celle de ceux qui un jour ont rempli un formulaire d'inscription ? Est-ce la foi qui serait notre dénominateur commun ? Est-ce la foi qui nous réunit ce matin ? Nous pourrions tout aussi bien dire que la foi est ce qui nous sépare, que la foi est ce qui nous divise. Nous avons dans cette Église l'habitude de varier les confessions de foi, de privilégier la pluralité des expressions théologiques. Nous affirmons que des images différentes de Dieu peuvent coexister en ce même lieu, sans que cela donne lieu à des anathèmes. Dans ces conditions, on peut se demander si nous partageons une foi commune, si la foi est vraiment ce qui fait communauté parmi nous. J'aimerais essayer de vous montrer que oui, que nous sommes quand même une communauté de foi. Et c'est la raison pour laquelle je convoque ces trois versets de l'Épître aux Hébreux, pour nous faire entendre qu'au-delà de ces différences, qu'au-delà de cette pluralité des expressions, de nos singularités, eh bien la foi est peut-être ce dénominateur commun, justement. Avec ce passage de l'Épître aux Hébreux, il me semble que nous avons les éléments pour concevoir une approche de la foi qui serait notre bien commun, en quelque sorte. En tous les cas, qui fasse largement consensus, suffisamment consensus pour que nous restions ensemble jusqu'à la fin de la matinée, que certains ne se disent pas « non, ma place n'est vraiment pas ici avec celui qui est là ou là ». Alors comment ce passage biblique s'y prend-il pour parler de la foi, pour présenter la foi ? Eh bien, il s'y prend tout autrement que le ferait un dictionnaire. Ici, pas de définition de la foi. Le rédacteur de l'Épître aux Hébreux ne cherche pas à préciser le périmètre de la foi, il ne cherche pas à délimiter la foi, il ne cherche pas à définir la foi. Il s'agit plutôt d'exposer la foi en disant quels sont les bénéfices que l'on peut retirer de la foi. Et ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que ces bénéfices de la foi dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, c'est ce que nous avons en commun. Raison pour laquelle il me semble que nous pouvons dire que nous avons une foi commune. C'est parce qu'en venant ici, nous affirmons que nous avons en commun trois bénéfices que la foi offre. Le premier bénéfice de la foi est de nous permettre de comprendre le monde, dit le rédacteur de ce passage. Si nous prenons le texte dans sa littéralité, il écrit que par la foi, nous comprenons que nous avons l'intelligence, le nous, des époques, du monde, qui est en fait le mot « aion », qui souvent est traduit par « éternité ». Chose curieuse, le rédacteur dit qu'en fait, par la foi, nous avons une compréhension de ce qu'est l'éternité. La foi est ce qui nous permet de comprendre l'éternité. Si vous ne comprenez rien à l'éternité, ne partez pas tout de suite. Il se pourrait que ce soit un peu plus clair dans quelques instants. Aucune garantie, c'est une hypothèse. Je note déjà que cette phrase a des accents similaires à l'ouverture de la Bible, ses premiers versets de la Genèse. Dire que l'éternité, puisque c'est de cela dont il est question dans ce texte, est organisée par la parole de Dieu, c'est une manière de dire que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Dieu a créé et il n'a pas fabriqué, selon Genèse 1. Genèse 1 parle de ces paroles divines qui ont retenti dans le tohu-bohu. Genèse 1 dit que ces paroles ont donné un nom et une fonction à tout ce qui composait ce tohu-bohu.
et que plus les paroles retentissaient, plus le monde devenait vivable. En ce sens, des paroles ont organisé ce grand bazar qu'est le monde pour en faire une création, pour en faire notre monde qui est quand même un monde vivable. Ces paroles ont organisé le monde et l'éternité. Eh bien, l'éternité, c'est peut-être le monde justement lorsqu'il est arraché au tohu-bohu. L'éternité, c'est peut-être lorsque des paroles font sens au milieu du fouillis, au milieu de la pagaille. Lorsque des paroles nous aident à y voir un peu plus clair dans notre vie, dans notre histoire. L'éternité, ce n'est peut-être pas une histoire de temps qui s'étirerait à l'infini. C'est peut-être pas une histoire de quantité, l'éternité. On peut peut-être comprendre l'éternité comme une manière de désigner la qualité de la vie. Du coup, comprendre l'éternité, avoir l'intelligence de l'éternité, c'est être en mesure de penser le monde. C'est être en mesure de prononcer des paroles qui rendent le monde plus vivable. En d'autres termes, c'est faire de la politique. L'art de rendre l'espace commun habitable par toutes et tous. Ici, sous la plume du rédacteur de l'Épître aux Hébreux, la foi n'est pas le but de la vie. Il ne faudrait pas tout sacrifier sur l'autel de la foi. La foi, c'est ce qui nous permet de prendre pied dans ce monde en mouvement, toujours en création, où de nouvelles paroles sont nécessaires pour être un peu plus vivables et un peu plus justes. Et justement, nous pouvons avoir ceci en commun, nous tous, ici, de considérer que le monde a besoin de notre parole pour être un peu plus vivable. Et que ces paroles sont possibles. Qu'il y a des paroles qui rendent le monde un peu plus vivable, un peu plus juste. Qu'il y a des paroles qui favorisent la vie, qui font croître la vie, qui lui permettent de s'épanouir. Nous avons peut-être ceci en commun que nous ne considérons pas que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Nous pouvons avoir en commun d'estimer capital l'engagement politique, du coup, qui consiste pour les uns à solliciter un mandat, pour d'autres à soutenir des convictions politiques, pour tous à s'exprimer lors des élections, lors des référendums. Mais plus que cela, l'action politique, c'est penser la société, proposer des modèles d'organisation plus adaptés, être en mesure de donner une juste place à ce qui constitue notre société. L'action politique, mais c'est le programme de Genèse 1. Quel est le sens de l'action politique ? Permettre qu'il y ait un septième jour. Un septième jour où le loup et l'agneau puissent demeurer ensemble, sans s'invectiver, sans s'injurier, sans se lancer quelques balles, missiles ou autres cocktails Molotov. Si la foi nous permet de penser le monde, c'est le premier bénéfice. Le deuxième point que je note est qu'elle nous donne accès à la métaphysique. Alors, si vous n'y entendez rien à la métaphysique, ne partez pas tout de suite. Il se pourrait là aussi que dans quelques instants, ce soit un peu plus clair pour vous. Là encore, pas de garantie, une hypothèse. Mais réécoutons à nouveau l'Épître aux Hébreux. Il y est inscrit deux choses un peu étonnantes. D'ailleurs, j'ai même buté sur l'une d'elles. En écrivant que par la foi, nous pouvons voir ce qui n'est pas advenu par des choses apparentes, phrase un petit peu mystérieuse, mais qui disait que la métaphysique allait de soi. Et puis en disant d'emblée que la foi, c'est la preuve des choses qu'on ne voit pas, eh bien, au moins nous sentons que nous sommes entraînés au-delà du visible, au-delà de la physique, après la physique, donc la métaphysique. Et l'espérance en fait partie. Il y a ici cette conviction que la vie n'est pas réductible au paraître. C'est cette conviction que nous partageons, je crois, qu'il y a plus à vivre, plus à éprouver, plus à désirer que ce qui est à portée de main, que ce qui est là, en l'état.
de même que l'homme a des capacités bien supérieures à ses forces physiques, eh bien, nous croyons que notre histoire a bien d'autres ressources que les seules équations que les sciences physiques mettent à notre disposition. Ainsi, l'histoire de cet homme qui meurt et qui lègue ses chameaux à ses trois enfants, en indiquant que le premier aura la moitié, le second aura un quart et le troisième aura un sixième. Seul problème, le père a 11 chameaux. Comment faire ? Les trois fils auraient pu partager selon les lois des mathématiques. Et du coup, ils se seraient retrouvés avec des bouts de viande. Oh, certes utiles pour se nourrir. Mais les animaux auraient été réduits à n'être plus que des objets désormais inertes. Les enfants décident de faire confiance au père et d'envisager qu'il y a peut-être plus à recevoir que des pièces de chameaux. Alors ils vont consulter le sage du village, qui les écoute, puis se lève, s'en va quelques instants et revient avec son chameau, son unique, celui qu'il aime, un vieux chameau qui n'a plus grande forme. Et il le donne aux trois enfants. Les trois enfants ont désormais 12 chameaux. Le premier pourra donc recevoir 6 chameaux, le second pourra en recevoir 3, et le troisième pourra en recevoir 2. 6 plus 3 plus 2 qui font 11. Le sage peut donc récupérer son chameau. Oui, nous avons en commun cette conviction que la vie ne se réduit pas aux apparences, qu'elle ne se réduit pas aux gros titres des journaux, ni à ce qui est écrit noir sur blanc dans nos livres de chevet. Nous avons la faiblesse de croire que nous sommes des voyants, à la manière d'Arthur Rimbaud, peut-être. Nous venons ici parce que nous avons la conviction que des miracles peuvent encore se produire. Des miracles au sens de signe que notre vie n'est pas entièrement soumise à des déterminismes, que notre histoire n'est pas intégralement consignée dans un scénario déjà prévu à l'avance et qui se déroulerait inexorablement malgré nous. Nous sommes croyants ensemble parce que nous sommes persuadés que nous pouvons dépasser notre état, que nous pouvons rompre l'accoutumance à la médiocrité. Nous avons en commun de considérer que nous sommes libres, libres de pouvoir donner des impulsions à l'histoire, à notre histoire personnelle, mais plus que cela, à l'histoire. Que nous pouvons transcrire en actes, en actions, ce qui constitue notre espérance. Et cela me conduit au troisième point. Certes, la foi nous permet de penser le monde. La foi nous donne accès à toutes les dimensions de l'être. Notons en troisième lieu que la foi est justement ce qui nous fait agir. Nous l'avons entendu, le rédacteur de l'Épître aux Hébreux fait référence aux anciens qui, par la foi, ont reçu le témoignage. J'aurais pu continuer la lecture de tout ce chapitre 11 qui est éloquente, et vous le ferez peut-être cet après-midi, car la lecture en vaut la peine. Elle convoque tous ces personnages bibliques qui ont fait histoire et qui sont désormais dans ces archives bibliques qui pour nous font autorité. Il y a aussi bien Noé qui sauve l'humanité, qu'Abraham qui part à l'aventure, ou Moïse qui fait sortir le peuple d'Égypte. Il y a ceux qui exercèrent la justice, ceux qui obtinrent des promesses, ceux qui fermèrent la gueule au lion, qui éteignirent la puissance du feu, qui échappèrent au tranchant de l'épée, ou au contraire, qui furent soumis aux moqueries, aux fouets, aux chaînes de la prison, à la lapidation, ou encore qui vécurent en guenilles dans les entrailles de la terre ou errant dans les déserts, mais qui jamais, au grand jamais, ne se départirent de cette foi chevillée au corps, qui était pour tout cela leur raison d'être, leur véritable moteur. Leur histoire est portée au rang d'épopée. Oui, c'est une fiction,
Oui, c'est un style littéraire bien particulier, mais c'est un style littéraire et une fiction qui dit juste, qui dit que ces gens-là sont pour nous une fenêtre ouverte sur ce qu'est la vie authentique. Tous ces anciens révèlent à quel point ils ont vécu. Aucun n'a eu une vie conforme à un modèle qui vaudrait pour tous. Chacun a suivi son chemin, chacun a répondu à son propre appel, et tous ont en commun d'avoir véritablement vécu. C'est aussi l'expérience de ces deux disciples qui se rendent à Emmaüs et qui, chemin faisant, ont le cœur qui brûle au-dedans d'eux. C'est aussi l'expérience de Gaspard de Coligny, dont Montesquieu disait qu'il n'avait au cœur que la gloire de l'État. C'est l'expérience de tous ces ouvriers de l'ombre qui n'œuvrent pas pour le paraître, mais qui s'investissent de tout leur être dans le présent. Ce sont les acteurs de la clairière auxquels le ministre chargé de la ville a écrit un petit courrier pour exprimer l'apport décisif qui est le leur, notamment pour faire vivre la promesse d'égalité de notre République. C'est nous aussi, bien sûr, lorsque nous ne retenons pas captif notre désir de vivre, notre désir de découvrir, de comprendre, d'entreprendre, notre désir de nous réjouir, nous qui considérons que la vie en Église ne doit pas être une triste vie. C'est nous, à chaque fois que nous quittons les angles morts de la création, que nous nous mettons à danser parce que quelqu'un joue de la flûte, ou à pleurer parce que quelqu'un chante une complainte. Nous avons ensemble à cœur de célébrer cette vie-là, cette vie portée à son incandescence, avec celles et ceux qui sont animés du même feu sacré, ou qui rêvent, qui aspirent à brûler de cette ardeur-là, de célébrer l'existence authentique, la vie menée au grand air, poussée par le souffle qui nous fait découvrir de nouveaux horizons, une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Amen.